Le festival Ville en Musique touchait à sa fin ce samedi soir avec le dernier bal en plein air sur la place Jean Jaurès. Qui dit bal dit danse, et c'est le groupe Caribop qui rythmait la soirée au son des Antilles françaises. Percussions, cuivres et accordéons se sont démenés pour faire oublier la pluie de ce week-end. Loin des clichés, les 7 musiciens et danseurs faisaient découvrir à un public nombreux des rythmes méconnus de Guadeloupe et de Martinique. Nous, notre démarche, c'est de se pencher un peu sur les rythmes qui sont pas assez joués, à mon avis, puisque le zouk a pris le pas sur toutes ces musiques. Donc c'est sur la biguin, mazurka et tout ce qui est autour du quadrille créole. On connaît le quadrille ici, fait par les Bretons, les Orégnats, etc. Mais il y a également le quadrille qui existe aux Antilles et qui est vraiment vivant, souvent dansé par les personnes les plus âgées. En fait, ce sont des danses collectives. C'est ça qu'on essaye de faire revivre avec Caribop. Mademoiselle, vous allez jeter votre cigarette. Voilà. Et on va danser avec ma partenaire avec laquelle j'ai arrêté de danser parce qu'elle fumait trop. Voilà. Et on va faire Gypsy. Gypsy, on se tourne autour en se tenant par les yeux. Le temps d'apprendre à biguiner, à faire le cercle circassien ou le jet d'eau, et c'est presque toute la place Jean Jaurès qui se met en mouvement. Ce n'est pas très compliqué et l'ambiance est au rendez-vous. C'est simple, très simple, c'est cool, super, vraiment bien. Le bal caribéen était l'avant-dernière des 46 manifestations. Malgré la météo maussade depuis le début du festival fin juin, le bilan est assez positif. Il n'a pas fait très chaud, on est d'accord, donc t'as moins de monde et il y a moins d'ambiance quand il fait plus froid, quoi. Mais sinon, ouais, ça s'est bien passé. Il n'y a eu qu'une annulation, c'était hier soir, parce qu'il y a eu un gros orage. Ce soir, il commence à pleuvoir, mais ça va, c'est la fin. Donc voilà, non, il y a un bon... ça marche bien au niveau des églises, au niveau de tout. Bon, pour ce qui est des danses caribéennes, moi, je n'ai pas très bien compris. Je crois que je vais aller réviser dans les Antilles.